Match de la saison des Canadiens ce soir au Centre Bell contre les Red Wings de Détroit. On en parle avec Félix et Kevin. Kevin, d'abord, une saison assez difficile qui se termine enfin, diront certains partisans, mais pour la plupart d'entre eux, le meilleur est à venir. Oui, exactement. Ceux que j'ai rencontrés sont plutôt optimistes. Ils se fichent présentement à l'intérieur du Centre Bell. Pour une dernière fois, bien, vous voyez ces gens qui font leur entrée. Ils se dirigent vers leur siège. On s'élève avec une petite bière à la main. On entend Diane Bibeau pour une dernière fois à l'orgue. L'équipe, elle est avant-dernière là, dans l'Est avec 75 points. Il faut dire que le match de ce soir est de plus haute importance pour l'équipe adverse qui se bat pour une place en série. Ça fait quand même 3 saisons consécutives que le club ne participe pas aux séries éliminatoires. Donc, pas de fièvre du hockey ce printemps-ci à Montréal. Donc, voici quelques partisans que j'ai rencontrés au Centre Bell. Comment ça, être un peu découragé? Oui, mais en même temps, on espère que dans quelques années, avec la reconstruction de l'équipe potentielle, on pourrait faire les séries éliminatoires. Quoi. C'est combien de temps, ça, quelques années? Ben moi, je dirais peut-être peut-être 2-3 ans. En fait, ils ont montré des choses assez impressionnantes quand même cette année. En fait, on a eu quand même plusieurs blessures. Donc, c'est un peu dur juger l'équipe à long terme. Je crois que le futur est prometteur, tu sais, avec des jeunes joueurs comme Lane Hudson. On a aussi Logan Mailloux qui s'en vient à la défense. David Reinbacher, on a aussi des jeunes joueurs comme Caulfield, Suzuki, Slav, ils ont toujours continué à progresser puis ils démontrent des belles choses cette année. Donc je crois que c'est bon pour l'avenir de l'équipe puis je crois que la reconstruction est à veille de finir dans le fond. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison-ci? Qu'on s'est amélioré durant l'année, meilleur l'année passée, on est meilleur que l'année passée puis on joue en équipe. Et c'est encourageant? Ouais. Ben non, parce que moi je suis vendue. Je les aime au bout. Ouais. J'ai même été voir en Floride cet hiver. Est-ce que vous commencez un peu à perdre patience? Non, jamais. Non. Je perds jamais patience pour mon Canadien. Non plus. Pourquoi? Parce qu'on voit les jeunes qui s'en viennent, puis ça va être du bonbon tantôt. Alors, Sophie, c'est le dernier match de la saison ici au Centre Bell, mais permettez-moi de vous rappeler que samedi, il y aura un autre match ici de l'équipe féminine, donc de la Ligue féminine de hockey ici. Samedi, ça sera rempli, salle comble, on va même battre un record. Donc, on aura un dernier match samedi au moins du hockey. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci, Kevin.